Les vieux sont. Bonjour. Bisous, bisous, bisous. C'est la suite. La suite, petit Harry Potter au quoi. Juste le son. Comme d'hab, depuis du live. Petit Harry Potter professionnel. Juste le son. Alors, ok, bon, peut-être c'est ça. De la part. Putain. Revelio. Expelliarmus. Revelio. Quel plaisir de vous revoir. Est-ce que ça va? Revelio. Expelliarmus. Le Vioso. Revelio. Salut, c'est moi, Gareth. Tu aurais un moment? Non. Pas faire moi. Vous là, oui vous. Je me demandais si vous pourriez m'accompagner. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, à votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi, si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. D'accord. Tu me laisses une seconde? On est quasi sans tête. Ah, c'est bon. Attendez. Comment savez-vous pour le livre? Et aussi qu'il manque. Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palo et vous avez été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Revelio. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. Gryffondor. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Je sens pas. D'accord. Un petit service en échange de ces pages.
Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de rose. Revelio. Je vous demande pardon. Un roast beef? Un roast beef avarié? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon moment, on peut presque en sentir le goût. Ah. Je vais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. Revelio. À présent, si vous voulez bien récupérer le roast beef, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Ah, nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Comment ça, chatouiller la poire? Oui, sur la peinture. Je vous attends ici. Essayez de ne pas déranger les elfes de maison. J'imagine déjà le délicat fumé du roast beef avarié. Revelio, dans la cuisine. Incompréhensible. Mais pourquoi? Il devait avoir faim, j'imagine. Tu sais à quel point les humains mangent quand ils sont en pleine croissance. Ça facilite certainement la tâche. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. Ça sent très bon ici. Revelio. Là-bas. Mais... Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Ah d'accord, ils habitent en tête. Revelio. Un casse-croûte. Délicieux. Pardon, pourriez-vous m'indiquer où sont les poubelles? Sans paresse, s'apprêter à disposer de la collecte du jour. Elle est à l'arrière. Vous pouvez vous servir. Merci, sans paresse. Descends, c'est où l'arrière? Revelio. Plaisir, une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Finky suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture.
Est-ce vous et les autres elfes de maison qui invoquez la nourriture servie dans la grande salle ? Bien sûr que non ! Même les elfes de maison ne peuvent pas créer de la nourriture par magie ! La nourriture est l'une des 5 principales exceptions à la loi de Gamp sur la métamorphose élémentaire. Nous pouvons en revanche la multiplier, la métamorphoser et, bien sûr, la préparer. Ensuite, nous l'envoyons dans la grande salle. Y a-t-il des restrictions en termes de ce que vous pouvez cuisiner ? Finky ne pense pas. Cependant, Finky a toujours beaucoup de succès avec les recettes d'Elga Pouf Souffle. Sa tarte au coin est réputée. Mais la nouvelle recette de Haddock commence à être appréciée également. Les élèves ont-ils le droit de se promener dans les cuisines ? Eh bien, puisque vous le demandez, les élèves ne sont pas censés être en cuisine. Mais cela ne dérange pas Finky. Rien ne fait plus plaisir à Finky que la compagnie des élèves. Nous n'avons que peu de visiteurs et beaucoup de friandises. N'hésitez pas, revenez quand vous voulez. Bonjour, allô, Mora, oui. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien, et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Je vois le petit déjeuner sous un nouveau jour maintenant. Genre c'est enfin... Action! Non, il les attaque pas. Ça aurait été marrant tout le carnage. Oh, toi. Quasi sans tête. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations, en plus du roast beef avarié. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de l'année Podmore. Cela devrait vous aider à trouver ses pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicholas. Que se passe-t-il ? J'en suis navré, je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités été. Pour chasseurs sans tête ? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Chouka, détenait ses pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y. Je croyais que le roast beef était pour vous. Ce n'est pas faux. Vous voyez, j'essaie depuis un certain temps d'entrer dans le club. Si j'offre le roast beef à Sir Patrick, je crois que cela pourrait m'y aider. Et bien sûr, vous aider aussi. Qu'est-ce que je devrais faire quand on rencontrera le club ? Laissez-moi leur parler. Ils peuvent être quelque peu hautains. Je suis sûr qu'ils vous accepteront sans mal, cependant. En grande partie grâce au roast beef avarié que vous apporterez. Le club des chasseurs sans tête est dangereux ? Les chasseurs sans tête ne mettraient jamais un élève en danger. Ce ne sont que des fantômes qui aiment s'amuser. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux! Vous ne le regretterez pas. Ta-ta-tum. Bon, on va voir les chasseurs sans tête. Je veux mon balai. Pam 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 pam. Bum, 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 bum.
C'est long quand même le chargement des fois. Ouais, on va être rejoint par... attendez. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Où est-ce que t'en es où? On est quasi sans tête. Ok, donc t'es plus loin que moi. Donc ta gueule. Ah bah... Quoi okay, que, ouais, mais toi t'es chez Gryffondor. Ouais, c'est ça. C'est la forêt interdite? Non. T'as déjà ton balai? Non. Ok, donc je suis devant toi, j'ai rien dit. Je suis au livre. Restez derrière moi, c'est Sir Patrick oui. qu'il nous faut. Oh Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, okay, Nick, quasi sans. Bonjour, Sir Ramset, permettez-nous. Attends, donc ça change nous avons quelque d'une... chose pour Sir Patrick. Il est sans moi, doute venu pour nous supprimer encore. Qu'est-ce que tu entends par le livre? Faut retrouver des pages. Il vous parle toujours de cette façon. Ah, ouais, pas le livre qu'on te donne. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs ouais, sans tête, je serai quoi, là. Ce cadeau le convaincra là, sûrement. En rôti, n'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Chouka. D'accord, donc les missions sont vachement différentes. Trop bien. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir refaire le jeu. Moi, les pages, je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon mais ça dépend peut-être de ta maison et du fantôme qui y est. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien? Mais c'est pour ça que je voulais savoir un peu comment ça allait être de votre et point une jeune personne. Bah moi en fait je voulais savoir si selon les maisons c'était différent les missions. Nous avons un cadeau pour vous. Bah, ça, du coup t'as une refaisabilité du jeu quoi. Bah ouais écoute moi cela c'est me paraît louche. En fait c'est quoi toi c'est Nick quasi sans tête qui a demandé qu'on réellement de voir même si je crois savoir. Ouais pour aller piquer en tableau. Où peut-on le trouver? Moi c'est je vais piquer en rôti dans les cuisines et la mettre au il se trouve juste ici. En revanche d'accord c'est absolument pas ça moi. Manque à l'appel. C'est absolument pas ça. Moi, je devais aller voir un tableau qui me demandait d'aller voir une aurore dans un petit village annexe. Quel plaisantin. Okay. Elle doit bien être. C'est cool, ça veut dire que le jeu est faisable. Par contre, hier, si putain, enfin, j'en dirais pas plus, mais putain, les araignées, quoi. Oh, je déteste ça. C'est le moins que je puisse faire. Non, mais je l'ai. Parce que hier, j'ai discuté avec Étienne à ce moment-là. Et je fais putain de mob de merde, il me dit. Toi, t'es tombé sur les araignées. Je dis oui. Sir, il fait ouais, je viens de les voir chez Zera. Je dis ouais. Sir Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire? C'est ma phobie, moi, ça. Même dans les jeux, je peux pas. Mais Sir, nous ne sommes pas les chasseurs. Mais franchement, il est bien. Je le pense bien, là. Sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. Attends, juste avant mon balai. À présent, permettez que je vous raconte. Après la mission des pages, tu l'auras. Au revoir. Parce que je viens de le débloquer là. J'espère que vous aurez plus de chance que t'as moi. T'as combien de temps de jeu à peu près? Presque 9h. Oh, putain, donc t'as 4h de plus que moi. 8h30, 9h. Ah, la sensation du vent soufflant dans mes cheveux. Enfin, si je me rappelle bien. Attends, je regardais sur Steam. Là, moi j'étais à 5h30 hier, donc je vais être à 6h. J'étais à 8,6, mais bon, j'ai joué déjà un peu ce matin, donc... Au cas où je suis en live, hein. Sache-le. Ah, bonjour le live. Sache-le, au cas où... Cette fois, je crois qu'il est impliqué jusqu'au cou. Putain, les blagues des fantômes. Action. Sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles. N'empêche, ça me fume au début c'est du jeu moi. Comme pouvez-vous m'aider comme l'excuse de merde qui est trouvée pour éviter le Quidditch. Où est-il passé? Vous n'avez pas été sage alors on annule la saison hein. C'est plutôt il y en a un qui a été blessé mortellement l'année dernière, on annule cette année. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel mais si vous voulez vraiment lui parler. Non, et puis pourquoi pas. Vous pourrez parler à Chouka. Ah merde. Parmi ses citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux dame Fred déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous? Oh, j'ai mis du jeu. Oh, je veux pas savoir. Si c'est la condition pour parler à Chouka, alors je le ferai. Super.
Superbe! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Expelliarmus! Allez! Action! Lancez des sorts jusqu'à ce que... Expelliarmus! Action! Ça! Et je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille, hein, Chouka? Non, peu importe, Domfrey. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qui se passe. Continuez de chercher, vous finirez par le trouver. Citrouille qui bouge, une citrouille qui bouge, une citrouille qui bouge. Où a-t-il? Chouka ne fait pas le point face à vous. Action! Par contre, un petit conseil, pense bien faire des potions. Mais nous n'en avons pas fini. Continuez de chercher. Vous finirez par le trouver. Oh, on va s'amuser. Oh, let's go, je l'ai éclaté. Action. Et avec vous, venir voir ton POV, tout en paraît vrai. Trop simple. Ouais, tu vas où? Heureusement, ce n'est pas moi qui devrais nettoyer tout ça. Petit. Ah, toi aussi, t'es en mode bonnet. Je ne sais pas comment enlever cette merde. Très joli. Il est mis. Oui, je pouvais faire en sorte que tu vois, tu gardes une seule apparence. Et non, une seule apparence, mais en bougeant des trucs pour avoir les bonus. Certaines pages que je la barbe de Merlin, je vois très bien. Ouais, moi aussi, j'ai le bonnet à la con là. Comment ai-je pu oublier? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Ah, j'adore Peeves, il est incroyable. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... Attends, si moi j'ai un peu le temps, au pire, je peux... Reste. Une sacrée aventure. Il me faut bien détruire la vie. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête. Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. De quoi? Oui. Tu peux détruire les items dont tu ne te sers plus. Même un fantôme décapité fait l'amour en entendant le mot... cadavre. Détruire Dites, ou les vendre. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place. Le mec mauve. Qu'est-ce que je vais trouver dans la grotte? En plus de mes restes mortels. Récompense d'apparence. Si je me souviens bien, quelques trésors, un pont magique et... Mais quel genre d'aventure serait-ce là si je vous gâchais la surprise? Tu vas améliorer plus tard ou... Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. Bah ça, j'adore quand même, à chaque fois que je vois en rouge, je laisse en whistler. Un esprit frappeur. En rouge et gris frondeur, je ne lui ai pas volé les pages directement. C'est je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Même s'il y a des roues qui se tenaient il ne se lasse whistler, jamais de casser wow. des choses. Livres, bouteilles, armures, le tout ce qui j'ai peut semer fait le chaos. Lui, sans whistler, je les ai trouvées alors qu'il saccageait la bibliothèque. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. J'ai besoin de ces pages. Donc, je ferai mieux de vous retrouver.
Merci. Option de je vous en prie. D'apparence, une petite je dois juste un retrouver œil, mon corps. Donc, à mon avis, tu dois mais le Tom faire avec se petite, charger là où il y a une petite maison avec un retrouvez-moi près de la forêt. Je sais que je suis très précis, mais. C'est peut-être après au lard. Hein. Bah, je vais checker ça en vrai. Revelio. Oh putain. Par contre, comment on ouvre les coffres avec des œils? Il faut le sortilège de camouflage. Pour être invisible? Ouais. Sérieux, c'est alors... juste ça? Ouais, c'est juste ça. Et, tu t'approches doucement et puis coucou. C'est juste ça. Ouais, c'est déjà. Juste ça. Oui, oui, j'ai eu le même coup. Attends, j'ai des nouveaux vêtements. Et moi, le truc, je débloque les ensembles, mais j'arrive pas à les mettre. Bah, on dirait que les ensembles ne sont pas dans. Ouais, j'ai trouvé. Ah, j'ai une mission de potion, fuck. C'est comme les lunettes, tu vois, j'ai pas envie de lui mettre des lunettes, mais bon. Ça augmente les stats, alors on les met quand même. Regarde, je sais pas si t'es sur le live là. Moi j'ai cette tenue là, elle est méga classe, je trouve. Attends, la regarde ça. Parce que je réponds à Lyom à ce moment là. Ah ouais. Tu vois, je la trouve méga classe. Moi je suis en kilt avec une robe. Et j'ai ce petit chapeau là, tu vois, s'il vole en chapeau, je peux mettre celui-là. Ça fait très meuf, mais. Et ça augmente les stats. Par contre, on est d'accord que le manche baguette sert à rien. Moi j'aime bien ce décor. Bah, putain, t'en as plein! Le premier, dis-toi que j'ai vu le truc, j'ai fait. J'ai pensé à un truc, hein. Putain, j'en ai qu'un, moi. C'est en explorant quand tu ouvres tes coffres et tout ça. Ah ouais, ok. Après, ouais, là je suis un peu en train de rusher la quête principale, c'est peut-être ça aussi. Tranquille. Je fais tout. J'explore. Bah, en vrai, je fais beaucoup de quêtes principales, mais j'ai fait 2-3 petites autres quêtes en même temps. Comment ça, je peux pas descendre de ma monture ici? Comment ça, t'as déjà une monture? Non, mais monture du style balai, quoi. Ouais. Bah, t'as deux montures, t'as aussi des montures magiques. Hein. Ouais, je sais bien. Putain, t'as encore un truc. Attends, t'as encore? Eh, j'en ai marre de tes trucs de collection. On est obligé de repasser dessus partout. À la fois j'ai envie de le faire à 100%, à la fois je me dis que ça va vite me casser les couilles de tout retrouver. Je suis à 10% des défis. Oh, c'est quoi que j'ai eu? Oh, super. Je sens qu'elle va être bien ça. Oui. Ah, coca. Avec ça, un truc là, je suis pas sûr qu'on puisse le... Ou alors c'est des trucs qu'on débloque dans la boutique? Je sais pas, bah je vais aller voir. Mais alors moi le truc qui me fait rire, j'ai connecté mais j'avais pas remarqué, mais en fait mes LED sont connectés au jeu. Et donc chaque fois que je lance un sortilège, il y a ma pièce qui s'illumine en mauve, en rouge. Ça rajoute tellement d'immersion, je te sais, assez marrant. Tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'il voulait lui? Et en fait, tu dois approcher le coffre tout doucement et puis. Kili 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 kili. D'accord. En plus, il queen, c'est trop mignon. D'accord, ça vient quand même te filer. Ah ouais, ça te file ça sans gold. Ah ouais, moi je suis riche, moi. D'accord, ah oui. Faut que je retourne dans la réserve. La réserve de la bibliothèque. Bibliothèque, ouais, il y avait un coffre comme ça et je l'ai zappé. T'en as partout dans Poudlard, des coffres comme ça. Et j'attends juste à voir Alohomora aussi. Ouais, Alohomora, je l'ai pas non plus là, hein, donc. Les serrures, mais je sais même pas si on l'aura. Attends. Ouais, si, tu l'auras. T'as dit où? Repulsor. Descendor. Ouais. Transformation. Glacius. Bah, en fait, ça doit être celui-là. En bleu. Wingardium Leviosa. Sortilège, en plus, j'ai fait des modifs moi hier dans le jeu pour, enfin, au niveau dossier de jeu pour essayer de le faire un peu moins laguer. Et ça a l'air d'aller.
Tiens, je suis pas encore allé chez En Doloris. Avada Kedavra. On n'a pas de. Non, non, on n'aura pas. À moins que ça soit là-dedans. Tu les débloques plus tard. Oui, c'est pas ça. Allo, Mora. Ah ouais, c'est en essentiel, donc c'est comme. D'accord. Tiens, d'ailleurs, j'étais censé avoir des sorties légendes en plus, moi. Putain. Attends, on va vraiment débloquer les sorts interdits. Ah oui. Bah, logique. Nous sommes pas serpentards, voyons. De mec. Ah, ok, je peux débloquer une roulette en plus, ok, d'accord. J'ai mis un truc pour pouvoir avoir des... En gros, là, j'ai... Tu vois ton triangle de sorts là, que t'as à droite. Bah du coup, là, j'en ai un supplémentaire où je peux rajouter des sorts en plus. À droite. Oui, bah les 4 sorts principales, quoi. Ouais, bah là, si tu veux, quand tu vas dans le menu pour les sélectionner... Ouais. Bah maintenant, j'ai 4 emplacements de plus. Donc j'ai mis mes sorts de combat d'un côté et mes sorts utilitaires de l'autre. Comme ça, je dois pas toujours... Pareil, c'est LT. Ouais, c'est ça, ouais. Okay, ouais. Ouais, mais ça, tu débloques plus tard, je pense. Non, c'est RT. Non, RT, et en fait, tu fais la molette pour changer tes sorts. Enfin, ta croix directionnelle pour changer tes sorts. D'accord. Attends, il y a des animaux là-bas. J'ai pas pu les voir la dernière fois. Ils sont... Petit. Waouh, trop bien, il a taillé l'arbuste. Moi, je kiffe trop me promener dans Poudlard. Il y a tellement de magie partout. Action. Et ici. Genre, tu rentres dans un truc et t'as deux armures qui se mettent sur la gueule. Moi, j'adore ça. Action. Mais revenez. Petit. Action. Oh, je peux pas vous attraper. En bouffe soupe femelle, on en fait quoi de ce truc? On peut rien faire en fait, on les croise juste. Okay, c'est... Comment ça vos emplacements d'équipement sont pleins? C'est quoi ça? Comment ça? Par contre le jeu est beau. Ouais, là je crois que moi en recommandé il m'a mis en élevé. Et là où je suis, putain. Franchement. Tu vois Poudlard de loin comme ça. Bon, tout petit la dégaine dégueulasse que tu perçois. Ah ok, d'accord. Attends. Et 24 sur 24, j'en ai jamais 24 là. D'accord. Ouais, donc il faut vendre la blinde. Genre ça me sert à rien. Bon, bah faut que je trouve une boutique pour vendre ça. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Où est-ce que je peux vendre ça? Action! Les vieux sont Expelliarmus! Oh, on peut faire Assassin's Creed. Non, je suis pas sûr que fouiller soit... Rébellion. Ah, que sauter dans le vide soit la meilleure des idées. Ah, si t'as pas de balai, c'est contre-indiqué. On peut nager dans le jeu? Oui, je pense. Oui. À quoi, Ça m'étonnerait que ton perso soit teubé. Oui, y a des méchants là-bas. Bonjour, est-ce que je peux te vendre des trucs? Oui. Oh putain, oh non. Expelliarmus. Sont si horrible que ça les... Pourquoi je sens que je vais avoir besoin de ça? Incendio. Action. Expelliarmus. Revelio. Oh,
Oh, je suis dans la forêt interdite. C'est possible. Bah, j'ai cherché la grotte, quoi, mais à partir du moment où j'ai des grosses araignées... Expelliarmus, action, incendio. Combien ils vont ça? 500? Oh, ça donne envie. Action. Expelliarmus, incendio. Ouais, mais action. C'est une carte de défense, c'est vrai. Incendio. Expelliarmus. Action. Incendio. Quoi? Putain, j'ai cru voir plein de petites araignées, mais ça n'en était pas. Oh, attends, vous avez vite les araignées. Hein. Attends, montre un peu. T'es où? Ah ouais, non, ça va. C'est quoi la mission? C'est la mission que j'ai fait hier soir. C'est la mission que j'ai fait hier soir. Dans l'eau? Il y a des araignées dans l'eau, tu vas me dire? Non. Non, il y a des... Il y a un peu de tout dans cette zone-là. La nécromancie est une forme de magie. Oh putain, rien que d'y repenser, j'ai les frissons. Je vais arrêter de regarder le live. Action. Putain, c'est vraiment une tenue à l'Assassin's Creed que j'ai là. Ah ouais, je me le suis fait aussi. C'est niveau combien? Je sais plus. Non. Niveau 13. Je sais pas, je suis niveau 13 moi. Ouais, merde, il était où le coffre? Je crois que je suis niveau 13 aussi. Niveau 13, ouais. Bientôt 14. Ouais, t'as poncé le jeu. Bah oui et non, je... En fait, moi c'est un peu le défaut, c'est qu'à avancer vite... Ouais, tu manques de level. Je monte moins vite de level. Oh, une page. Ramène ta fer. Yeah, yeah, yeah. J'ai que deux potions, hein, et je peux pas encore manger. Je ne fais pas confiance. T'as trouvé tes toilettes ou t'as les toilettes avec comment? Le truc de... Alors, je suis tombé sur des toilettes avec Peeves, mais à part ça... Non, t'as des toilettes ou t'as le... La chambre des secrets. Où on se casse? Oh, je me le suis fait, ils sont pas très durs à faire. Ah, si t'as bien maîtrisé les bases des duels, hein, parce que bon. Il y a une métamorphe dans le lot. Oh, je prends. Je suis en train de fouiller Préolard là. Oh oh oh. Que j'ai à faire moi du coup. Tu es parti du coup. C'est pour la seule sorte de monde, ça. Ça ne t'a pas fait l'air de... C'est donc toi la vermine qui a livré cette nouvelle.
Incendio. Action. Expelliarmus. J'ai entendu une sonnerie de smartphone. C'est assez marrant, ça. Je t'entends plus, je t'ai concentré à fond. Action. Le moment est venu de sortir. T'es mute? Plus ma mute. Ah non. Lumos. Expelliarmus. Salut le live, bon du coup j'entends que sur le live vous m'entendez. C'est cool. Donc lui il parle pas, donc je vais animer le live. Donc voilà, il est en train de taper sur des gens. Voilà, là c'est le menu. C'est un beau menu hein. Sinon vous allez bien, vous avez joué à Hogwarts Legacy? Ah, franchement le jeu il est trop cool hein. On se marre bien. Comment ça il y a une barre de durabilité sur le balai? Quel scandaleux. En plus le gars que vous regardez, il est pas original parce qu'il joue Gryffondor. Franchement, Gryffondor, tout le monde connaît. Faut venir chez Poufsouf, c'est mieux. Voilà, voilà. Sinon, ça va, vous? C'est fou, hein, que quelqu'un qui est là en vocal soit obligé d'animer un live. Il prévient même pas quand il s'en va. C'est un peu dommage, hein, mais bon, ça fait partie du boulot. C'est ça. Oh, c'est la salle commune de... What? C'est quoi ça? Stylé. Je peux en essayer de découvrir des choses. Alors le balai, c'est un peu la chiotte hein, à contrôler au début. Je peux pas me poser quelque part là pour aller plus vite. Ah, c'est trop bien de pouvoir voler avec son balai comme ça. Peut-être me poser là si je peux. Ça c'est un peu mal fait quand même. Toute logique, je devrais pouvoir me poser où je veux. Voilà, voilà. Sinon ça va vous? Je pense que on a établi une relation de confiance maintenant. Voilà, simple fait. Je trouve ça très intéressant d'animer votre live pendant que moi je suis occupé à jouer aussi sur mon jeu. Alors ça qui est un peu marrant, c'est que du coup je fais des commentaires et vous êtes là en mode mais what the fuck, de quoi il parle, parce que là c'est un menu. Et oui, vous avez raison, sauf que moi en attendant je joue. Donc voilà, là je suis en train de passer dans une salle avec des armures, elles ont l'air un peu sympathiques. Voilà, alors pour savoir, moi je vais voir le professeur Weasley, parce que le professeur Weasley, il est sympa. Voilà, Experianus Hermione, comme diraient certains. Oh, vas-y, je peux faire des ban words, et comme ça, il va être ban. Comme quoi, c'est dangereux de le laisser avec moi. What? Ok, l'armure, je sais pas trop ce qu'elle faisait, là. Oh, Levioso. Non, ça c'est Axio, moi je veux Levioso. Voilà. Balance une page. Incroyable. Ouais. Sinon, bon. Oh, il est niveau 14, je suis niveau 13, alors que j'ai 4 heures de jeu de plus que lui, OMG. Parce qu'il a bien poncé la salle de Poudlire. Il fait les quêtes annexes. Et what? Et c'est galère à rejoindre, hein. Attends. Revelio. Je suis sûr qu'il y a des loots. Revelio! Ah, là, il y a un truc. Tapisserie de Barnabas le Follet. Ok, d'accord, c'est un peu nul. Oh! Bonjour le fantôme. Bonjour les élèves. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un truc là? Incendio! À chaque fois que je vais utiliser sortie, je vais foutre le feu dans le collège, c'est bien. Ah là là.
Waouh, une porte magique. Oh! Je vous mets le son de mon jeu. Comme ça, vous avez quand même un truc un peu plus palpitant qui vous spoil la suite, mais sans trop en dire. Stylé. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Un nouveau sort, let's go. Oh. Ouais, ça marche pas sur les hommes. Oh, déçu. D'accord. Ok. Oula, c'est compliqué ça. Ouais, j'ai animé ton live. Ouais, gentil. J'ai fait plein de ban words quand j'ai fait la nuit. Protego. Incendio. Expelliarmus. Axio. Faut utiliser plus les vieux sauts, hein. Voilà, c'est bien. Oula. Ton jeu, il arrête de bouger. Axio. Alors, c'est quoi comme sort, ça? Incendio. Expelliarmus. Revelio. MDR, les pierres de lune, ça fait 20 ans que j'en possède. Ça sert à quoi les pierres de lune? Bah, je sais pas, elle vient de me dire. Remarquez, vous avez une pierre de lune maintenant. Vous verrez à quoi elle sert plus tard. Bah oui, mais ça fait déjà un moment que. Revelio. Lumos. Ça m'intrigue. Alors, c'est le moment des caméos d'Harry Potter ici. Je suis sûr qu'il y a des pépites, si on observe bien. Action. Revelio. J'ai pas envie de sauter là-dedans. Bon, on va y aller. Bon, je vais. On est d'accord que Voldemort, il n'existe pas dans le jeu, hein. On est trop tôt, hein. Les emplacements d'équipements sont pleins. Depuis quand? Ah, toi aussi, t'as vu ça? Bon, bah, ça en détruit. Alors, ah, putain, oui. Ça, on peut détruire. Des trucs qui n'ont pas de valeur, hein. Je sors avec la valeur. Le danger du verre, ça peut dégager. Non. Ah oui, équipement 16 sur 20. Ok. On peut avoir que 20 pièces d'équipement.
Oh, une Captain AF distinguée. Ah, bah j'en ai déjà 4 de plus que toi. Rébellion. Bah non, mais ça prouve que ça augmente un petit peu au fur et à mesure du jeu, quoi. Ah putain, mais c'est débile ces plantes-là, j'arrête pas de les invoquer sans faire exprès. Quoi, les choux. Ouais. Bon, j'en ai plus d'ailleurs, je m'en suis jamais servi. C'est marrant les choux, ça peut être marrant en combat. Quand ça sert à rien. Ça, c'est vrai que j'aurais pu les utiliser. Je dis Révelio. J'ai tellement hâte. Action. Voilà Incendio. Non. Protego. Je suis allé trop fort. Expelliarmus. Action. Incendio. Le braconnage, c'est fini pour toi. Le braconnage, c'est fini. Ah oui. Oui. Dis-moi que je peux le mettre. Dis-moi que je peux enlever ce chapeau de merde. Oh oui. En plus c'est meilleur. Ah. Ah. Bon, c'est glauque ça. De quoi? T'appuies sur un bouton et t'as une hache qui décolle toute seule pour s'aiguiser. C'est cool. T'as quand même 67 types d'ennemis différents. J'ai un attribut. Je sais pas quoi ça sert. Par contre, c'est chiant que, quand tu lances un sort, l'humos s'éteint. Logique en même temps. Ou pas vraiment. Hein. Bah, je sais pas, la cape de dragon, je l'ai aussi, mais je trouve pas comment la mettre. Mais est-ce que ça serait pas dans comment? Dans, tu vois, chez la boutique. Me voilà. Ah non, j'y suis allé et on peut rien faire. Ou alors à la fin du jeu, ça serait. Ou alors avec la salle sur demande, ce serait l'idée aussi. Ah ouais. Bon, il est où? Ah, t'es là. T'es aussi. Vous revoilà, Richard Shuka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un griffon d'or oserait braver la forêt interdite en quête d'aventure. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Il m'a dit pareil avec Poufsouffle, ta gueule. Mais j'avoue, étant réticent à l'idée de retourner sur le lieu. Il m'a dit pareil avec Poufsouffle. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites intramuros. Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. C'est pour ça que t'es mort jeune. Oups. Et c'est où que je dois aller? C'est bien, c'est Shuka dans la forêt interne. À part le bain d'oiseaux, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention? Tout à fait. Toi, tu l'as, tu l'as pas. Repères. Un pont en pierre, une cascade, ouais, live, et un lac, si mes souvenirs sont bons. Quand tu sors de dialogue, cela m'aide beaucoup. Merci. Ouais, ça, pourquoi il lag maintenant? Pourquoi il lag alors qu'avant il n'y pas? Ah, tu vois, des fois tu t'arrêtes un peu et puis. Non, il est toujours. Ah, il y a un truc, hein. Pourquoi il lag? Pas censé laguer, surtout que j'ai pas de perte de débit ni rien. Ouais, bah coupe ton rendu, peut-être c'est ça aussi. Tu le lances en administrateur ton OBS? Non. Bah il faut le faire. Ça change beaucoup.
Bah, ça le passe en priorité sur ton processeur. Ouais, mon processeur est qu'à 43%. Couper mon rendu de quoi, d'OBS? Non, mon rendu de live, non, c'est ça. Je le coupe. Pour me le dire. Sur OBS, je lag pas là. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ses souvenirs me reviennent. C'est un peu mieux. Oui. Vous savez, plus on se rapproche. Et si. J'ai tant de paramètres. Affichage. Si je descends tout en moyen. Oh, stylé. De quoi? Le jeu. Ok. Bon, je veux bientôt spoil, hein, mais bon. Non, ça ira. Ok, alors comment ça marche? Me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseaux. Adieu. Let's go. Au revoir. Je vous le souhaite. Expelliarmus, action. Manger quoi? Toutes les micro-araignées à mes pieds. Yerk. Et tu sais juste me dire là, j'ai baissé tout en moyen pour voir ce que ça fait. Ouais, parce que bon, comme je suis aussi concentré sur mon jeu. Comme c'est le chargement. Par contre, les temps de chargement ils sont longs. Bon, je trouve ça encore. Oh, ils sont longs. Ah, ça va. Non, ils sont longs. J'ai fait disparaître un truc, j'aurais pas dû, tant pis. Et du coup, t'as une durabilité sur ton balai? Bah, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait une jauge. Ah non, c'est une jauge d'amélioration, ça, non? Tu peux l'améliorer, je crois, ton balai. Ouais, mais une jauge quand je vole. Ah, c'est peut-être un genre d'endurance. Je sais pas, on va voir. Oui, mais du coup, j'ai plus mon chat. Chier. Oula. Viens, mais t'écoutes à ça. Oh, oui. Okay. Ce guide du sorcier est bien pratique. Oui, oui, oui. Je suis ravi d'y avoir été. Expelliarmus. Action. Invocabile. Protego. Ouais, voilà pourquoi j'ai détesté ce passage. Oh, les choses, c'est-il. Action. Incendio. Expelliarmus, protego. Je n'ai plus le choix, je dois continuer. Rebellion. Expelliarmus. Incendio. C'est bien, c'est que t'es ça hors combat, tu peux claquer à genre 4. Rebellion.
Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. D'ailleurs, il y a des skins pour les postes de potions. Revelio. Danger, danger, danger. Oh, il y a des animaux. Oh. Les animaux dans la forêt interdite, c'est trop bien, faut y aller. Coucou. Oh, ils étaient boursouf, ça sert à rien les boursouf. Revelio. C'est pas là où dans Harry Potter où il fait son patron. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Avec des cerfs. Putain, oui, c'est là. C'est 100% près de là. Avec les cerfs autour. Action! Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Revelio! Oh, je peux faire enfin faire des potions, putain. Je peux enfin faire des potions. Incendio. Ah oui, je veux trop voir cette partie de ton live. Et du coup, ça arrête toujours ou pas? Oui. Putain, fort. Bon, ça l'a quoi. Tu serais pas un peu loin de chez toi, hein? Oh. Ranrock savait que vous finiriez par nous mener à votre cachette. À l'attaque! Père, il est sur le cul. Tu as abandonné. Expelliarmus. Protego. Quoi? En route pour de nouvelles aventures. Incendio. Action. Expelliarmus. Lumos. Expelliarmus. Action. Incendio. Je vais venger ta mort. Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Pourquoi hier ça laguait pas autant mon live pourtant? Oh, 10 minutes pour du dictam, putain, si long. Tiens, il faut que j'aille rechercher au truc de potanier. En fait, si tu peux faire des potions si tu vas à la salle de classe, non? Pas un truc comme ça? Je sais pas. Maintenant, j'ai un atelier, donc... Ouais, mais j'ai toujours pas pour le... Comment? Le faire spawn, moi. Mais j'ai récupéré suffisamment. T'as récupéré suffisamment, hein? Alors, donnons parce que j'ai une assistance au tillage. Je me demande à quel point c'est grand. Revelio. Tirer sur le symbole, mais il ne reste pas allumé très longtemps. D'accord. Oh, ça, c'était mini puzzle où tu dois choisir. Tu dois faire descendre. Impressionnant. Tout doit mener à cet endroit. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Revelio. Je sens que j'ai tombé sur deux ennemis encore. Oh bah tiens donc. Ah ouais non, ça c'est. Je t'ai dit, c'est la partie du jeu que je déteste le plus. Revelio. Enfin pour l'instant.
Action. Expelliarmus, incendio. Lumos, protego. Action. Incendio. Ça, c'est pas mal. Action. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Action. Expelliarmus. Bon bah, décorons alors, hein. Revelio. Incendio. Incendio. What? Pas question de toucher à ça. Action. Incendio. Lupotego. Action. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Lumos. Expelliarmus. Protego. Stupéfix. Ça va, elles font pas si peur, cette bébé araignée. Imagine si t'as l'ami de Hagrid qui arrive. Bon, mec, je déteste les araignées. Oh non. De quoi? Oh non. Oh, il est magnifique. Faut le mettre. Qu'est-ce que t'as débloqué? Oh non. Mais what the fuck, j'ai pas eu ça moi. Oh, chapeau. Il est magnifique, regarde ce chapeau. Oh oui. Et quelle arnaque. Ah oui. Où j'ai déjà... Attends, où j'ai déjà vendu? Ah si, t'es plus loin, t'as peut-être eu mieux. What? As-tu dans cette épreuve fait toutes les petites salles à côté? Bah ouais. Ou j'ai peut-être déjà vendu, bon c'est pas grave. Revelio. Alors décoration murale maintenant. Si j'en tirais cette plateforme jusqu'à moi, je pourrais y grimper. Oh, il y a des tableaux qui parlent, c'est drôle. Pour me faire juger. Action. Oh, trop bien ce puzzle. Revelio. Action. Incendio. Lumos. Protego. Attends, tu peux les faire exploser là. Je me réjouis que je cherche Shuka et laisser derrière. Oh, attends. J'ai encore tes meilleures lunettes. Ah, là, ça devient intéressant, c'est marrant. Mais où est-il? Donc, on va remonter dessus. Action! Revelio! Un coffre intact? Oh, Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. D'accord que la feuille de titane c'est pour la potion de vie là. Oui. Que... Comment ça j'ai foiré? Ah oui, j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Incendio. Expelliarmus. Protego.
Axio. Incendio. Lumos. Expelliarmus. Encore une énigme. Si Richard Shulka l'a révélé, j'en suis capable aussi. Axio. Ce symbole suivant est sûrement caché quelque part dans les parages. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. J'utilise un sort d'altération et je peux modifier. Je peux modifier des trucs si tu veux. Des objets et j'ai changé la taille d'un objet, je m'attendais pas à ça. Non, tu peux passer, ça elle te font rien. Elle, oui, mais celle-là. Par sécurité. C'est pas par là. Droite ou gauche, droite. Revelio. Oh, c'est génial, j'adore. C'est étrange. On nous voit l'uniforme. Oh, il est bleu. 19. Attends, je peux te détruire. Oh, je vous rendrai bien. Attends, on prend tout ce qui est vert parce qu'on détruit tout ce qui est vert parce que. Ah, j'en ai un autre. Ouais, il est moins bien, je peux le détruire. J'ai 15,567 découvert, intéressant. En avançant les quêtes, quêtes de combat. Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui. Peut-être pas aller si loin l'autre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que machin Lucas se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a pas de trace de lui. Heureusement que Richard Shuka n'est pas tombé là-dedans. J'ai énorme la salle. Les araignées. Action! Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi, mais où est-il? C'est vrai qu'on n'a pas encore eu son cadavre. Incendio. Un coffre intact? Richard Shuka n'a pas fouillé. Ça c'est beau, ça va. Ça on peut garder. Heureusement. Action. Incendio. Thank you.
Axio. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Incendio. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce but. Ah putain, il est encore là, lui. Saloperie de Peeves. Je crois que tu l'aimais bien. Il me fait rire, mais je m'attends jamais à le voir spawner, c'est ça qui est génial dans ce jeu. Oh, un hibou. Et les animaux, ils ont pris tarif hein, quand même, hein, certains. Hein. Pour bah, les chats, je trouve qu'ils ont une sale gueule. Bon, ça va, ça va aller, ça que j'ai. Option de changement d'apparence, d'équipement. Oh, c'est ça. T'as trouvé ça où? Dans la collection, l'option de changement d'apparence d'équipement accessible depuis le menu équipement, les apparences se déverrouillent en tant que récompense pour avoir réalisé tes prouesses. D'accord. Et donc? Ah oui, oui, bah oui, ça tu les vois là, mais... C'est ce que je te dis, c'est... Dans l'équipement... Tu dois avoir un truc qui dit apparence, non? J'ai là que je vais... Tu vois, t'as des... Oh, attends un peu. Se regarde en dessous. Tu vois, t'as des trucs... Tu vois, regarde, t'as les chapeaux, machin... Bah oui, je sais bien, mais... Ouais, pourtant j'en ai des... Ok. Je suis à combien? Je suis à 555 de vie, défense 104, 84, offensive. Je suis pas au fond de l'enfance. Aucune trace de lui. Incendio. Qu'il a buté du coup le coup de vent, mais Expelliarmus, action. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ah non, c'est là combien? Let's go, j'ai trouvé. De quoi? Ah, j'ai trouvé. Pour les apparences? Oui, j'ai trouvé. Vas-y, on est trop, on est trop myope. Ah, let's go. Je peux enfin mettre cette tenue. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. En fait, c'est tout con. C'est vraiment tout con. Ah, elle est trop stylée celle-là. Ouais. Oh, le dragon, tu vas bien aimer. Protego. Lumos. Expelliarmus, action. Action. Incendio. Stupéfix. Expelliarmus. Action. En gros, c'est juste nous qui sommes vraiment débiles. Incendio. En fait. À qui c'est attendre. Du coup, c'est où? C'est dans... Tu vas dans personnalisation. Enfin, dans équipement, en fait. Ouais. Et en fait, tu mets ton curseur sur le gant, par exemple. Putain, je viens de voir. Ouais, on est vraiment trop con. Ouais. C'était genre en vraiment vrai, comme Assassin's Creed depuis le début. La cape noire, elle est pas mal aussi. Ouais, la cape de mage noir, elle est cool. Ah non, moi je parlais pas de celle-là, je parlais de la cape... Hein enfin, cape moi j'ai une cape de mage noir. Ouais, moi aussi, mais ça on l'a tous. Hop. T'as une armure. Cape dragon, elle est mignonne. Putain, on va enfin pouvoir ressembler à quelque chose. Arrêtez d'être moche. Lunettes. Non. Ouais. Est-ce que... Oh bah sans lunettes, tiens donc. C'est mieux.
couvre-chef. Non. Ah, oh bah tiens, sans couvre-chef, c'est très bien. Voilà, ah oui. Ça, en vrai, celui-là, je le trouve ultra classe. Voilà. Au moins, on ressemble à quelque chose. Hier vraiment j'étais maudit, j'arrive au bureau, je m'occupe avec les tâches qu'il y a à faire. Et puis quand c'est fini, tu sais, je me dis bah je vais lancer Hogwarts Legacy. Et au moment où je lance, on nous appelle. Ah, Grutil est là pour décharger. Je dis merde, ça fait 2 heures qu'on glande et au moment où je décide de lancer, je me fais baiser. Ça a fait rire mon manager d'ailleurs que j'ai amené ma manette. Ah, je lui ai dit, je dis que je glande sur Facebook ou que je glande en jouant, il me dit non, t'as raison. Sympa la tour d'astronomie. Revelio. Bon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Travailler, ça je peux. Action. Faudrait peut-être que je fasse mes devoirs en fait. Des devoirs? Bah oui. Pas de squelette sans tête en vue. Les mais devoirs rien de m'empêche prof. De me servir ici. T'as des quêtes et t'as des devoirs à faire. Ah oui. Non mais. Squelette en la vraie. Bon, je vais aller après au lard parce qu'à mon avis, ce sera le plus facile. Ça va, le jeu est quand même fait que pour si tu tombes, tu dois pas recommencer tout le truc à tirer. Action. Action. Un coffre intact. Richard Chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Oui, ça va, on a compris qu'il a rien fouillé. Casse pas les couilles. Les potions, c'est où? Mais la question, le balai, tu peux l'utiliser où tu veux après ou... Pas dans certaines zones. Genre dans Préolar, je peux pas l'utiliser, mais sinon le reste, tu sors et c'est réglé quoi. À Préolar, il y avait un vendeur de potions. Moi, je rêve pas. Je me réjouis que Richard Chouka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Bah, t'as la potion papa. Ah mais je le vois pas sur la carte. À côté, juste tout près de... comment? Ah, il était caché derrière une quête. T'as encore des quêtes après Olar? C'est plein de quêtes annexes. Ah oui d'accord, donc toi t'as fait que les quêtes annexes hier quoi. C'est ça que t'es plus haut. Moi les quêtes annexes, je les ai un peu zappées pour le moment. C'est quoi la quête? Bon j'en sais rien, t'as plein de quêtes. Y'a des quêtes que j'ai pas fait hein. Aider tel perso, je sais pas, je les ai pas faites. Oh, mais moi j'ai fait les quêtes principales, genre les devoirs et tout ça, tu vois. Ouais, bah là, je suis sur le devoir du prof de potion là. Ah, j'ai pas encore eu. Ne me spoil pas, hein. Mais je ne te spoil pas, je dois juste avoir des potions et comme j'ai la flemme de les faire, je vais voir si je peux pas les acheter. Ah, fais-le. Mais j'ai pas la recette, donc c'est ça que je vais voir si je peux pas la... J'ai la recette, ça, ouais. Donc il me faut ça. Putain, c'est si cher! Oui. L'argent dans le jeu... J'ai plus de thunes. Voilà le pont. Il est presque terminé. Putain, je n'ai plus de thunes. Oh. Encore des araignées. Et il me faut une autre potion. Vas-y, attends, je vais vendre des trucs, là. Le vol. Action. Incendio. Protego. Stupéfique. Action. Incendio. Lumos. Expelliarmus.
C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. Oh, oh, toutes araignées géantes, elles sont mimi. Je crois qu'on a pas le même, la même définition. Action. Lumos. Protego. Incendio. Expelliarmus. Action. Incendio. Incendio. D'accord, bon. Action. Il n'y a pas une autre mission à faire, je vais me saouler. Incendio. Expelliarmus. Au revoir, monstre. J'imagine que ces araignées se sont multipliées depuis le passage de Richard Shuka. Oh, j'ai plus... Là, ah, ça va, la vie, elle remonte quand même. Oh, il est nul. Je dois trouver le symbole. C'est classe, mon truc. La magie comme ça, la magie ancienne, j'attends super. Oh, j'ai vu le... Oh, j'ai pas envie d'y aller. Quoi ça ? Jolie boutique. Pas de squelette sans tête en vue. Mais rien ne m'empêche de me servir ici. Oh, j'avais pas vu cette boutique. Oh ta gueule! Oh putain! Oh ta vrai. Gueule! Non, j'ai l'odeur des oignons qui cuisent là, qui oh ta gueule! Non mais j'ai oh le bâtard! J'ai pas été à la salle cette. Ah bah je crois que j'ai On trouvé. On se retrouve, Richard Shuka. Merci d'avoir protégé ces pages durant toutes ces années. La voilà, la carte qui a mené Shuka à sa perte. Ah elles sont cool les épées, je peux pas les récupérer. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce? Oh, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de tes putains d'armures qui sont encore Action. Utilisées? Action. Expelliarmus, Incendio. Action. Incendio. Expelliarmus. Protego. Action. Incendio. Expelliarmus devrait suffire à désarmer ses coups. Ah, je sais pas. Nice. Putain. Mais question de duel quand t'es tout seul, t'es en V4 aussi ou... Je sais pas. Bah, je présume que oui. Putain, c'est pas du genre. Action. Expelliarmus. Incendio. Mon coffre. Action. Incendio. Protego. Expelliarmus. Action. Incendio. Vas-y, coupe Expelliarmus devrait suffire à désarmer ses portes. Action. Ah ouais, ouais, bah Incendio. Tu peux désarmer. Attends. Oui, oui, d'accord, les gros méchants arrivent. Laisse-moi aller récupérer la magie. Bon, tant que je suis là, en vrai, je vais faire la mission de la livraison. Expelliarmus. Incendio. Attends, c'est de la triche, ça. Action. Expelliarmus. Action. Expelliarmus. Incendio. Action. On va rattraper Expelliarmus. 3 heures, on va rattraper. Action. Incendio. Et Action.
Incendio. Non. Non. Moi, je sais même pas si je joue après. Ah, il faut que je travaille. Bonjour. Maison. Ça va? Yo. Bah, ça va, ça va. Oh, je suis en bas, je préviens toujours. Oui, c'est bien, on a un arbre de vie, tu fais honte à Griffon d'or. Oh punaise, et toi tu bosses pas toi, ça va, la vie est belle. Je bosse là. Il est en train de coder là. Action. Incendio. Oh, je suis doute. Expelliarmus. Expelliarmus devrait suffire à désarmer. Tu fais du quoi? Incendio. Hein? Expelliarmus. Du coup, je dois faire quoi? Livraison. Incendio. Expelliarmus. Il dit ramasse à notre maison et qu'il allait faire tous les points à la fin de l'année. Donc voilà, c'est con. Alors que moi, je fais qu'en rapporter. Ah là 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 là. Comme quoi, hein. Pouf souffle, meilleur des maisons. Hein. On voit pourquoi vous êtes pas certain. Parce que moi, il me fait marrer tantôt parce que t'as un PNJ qui fait. Ah, vous êtes bien chez Gryffondor pour avoir le courage, il me fait. Ah, Gryffondor, c'est ta gueule, c'est ce que dit le PNJ à toutes les maisons. Incendio. Expelliarmus, Incendio. Ah, bah la salle commune elle est trop bien. Quoi? Mais j'ai mis Protego. Ouais, la nôtre elle sent le saucisson, alors voilà. Hein. Comment ça, la nôtre elle sent le saucisson? Mec, vraiment, notre salle commune, c'est. Ça sent le fromage, le saucisson, la bière et c'est une taverne notre notre en même temps salle on a commune. Les whistlés, quoi. Et alors effectivement on a fait la réflexion avec Max en fonction de la maison dans laquelle tu es les quêtes changent. Les quêtes changent, ouais. Parce que moi j'ai pas eu la même quête que Max pour là où il est. Action. Protego. Ah OK. Incendio. Donc c'est en fait ça c'est vraiment l'intérêt de faire le jeu avec les quêtes avec tous les trucs. Ok, ouais, après la quête principale reste la même. Oui, ouais, ça reste la même, mais genre. C'est en train de faire, je l'ai vu hier chez Zera, alors que Zera elle est chez Sunday, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est la façon dont tu accèdes à cette partie-là est différente. Ok. Mais après, bon, si j'en dis plus, je te spoil, donc je sais pas où. Bah, il est chez Fonda, je pense pas que tu spoileras parce qu'il y a un peu de live. Ah, ouais, donc c'est vrai que pour toi, en grosso modo, moi en gros, c'est un tableau qui me parle. Et je devais aller voir une aurore qui m'a emmené. What? J'ai été voir un aurore qui m'a permis d'accéder à la suite. Sauf que j'ai carrément été à Azkaban. Hein. Quoi? What the fuck? Ouais, j'ai carrément été à Azkaban. Alors que chez Gryffondor, c'est pas le cas. Tant bien, ouais. Ouais. Ça donne de l'intérêt au jeu en plus. Ouais, ça fait super long. Incendio. Je suis en train de faire une quête là ou une quête annexe. Je suis en train de survoler des zones vachement hostiles. Incendio. Je suis content de pouvoir voler. Moi j'ai juste vu un peu ça hier chez Zera. Il a eu son balai et il a parti toute la map. Incendio. C'est grand en fait, moi je pensais ouais, la map est énorme. C'est le château et un peu ses alentours, mais en fait le château et ses alentours c'est énorme. C'est un dixième de la map en fait. T'as pas qu'un village autour. Ouais, je l'ai eu ce matin. Le château vraiment il est dans une petite zone paumée et en fait tout le reste de la map est énorme. La map est gigantesque. Bah pour un open world juste dans le château t'aurais vite fait le tour. J'ai déjà vu ça. Déjà non. Gringotts. En vrai, t'as plein de passages secrets, faut vraiment faire révéler mais partout. T'as tes coffres qui sont dans tes petites portes qui se tournent, mais genre t'as vraiment une salle, c'est rien du tout après quoi. En vrai, je me souviens à l'époque là, les jeux sur PlayStation et où tout. C'était de la merde. Putain, il y avait que le château, mais en vrai c'était déjà grand. Oh, non. Hein. Ouais, après, c'est en train d'être, c'était pas les mêmes. Inondé. Vraiment pas les mêmes moyens. Mais à coup de tour. Qu'est-ce qui me protège? Qu'est-ce que MDR. MDR. Pourquoi je.
Attention, est-ce que je meurs ou est-ce que je meurs pas? Par contre, les gars, hier j'ai eu un bug trop drôle. Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. C'est au moment des chargements, des menus, des nouvelles zones ou quoi. Des fois, je passe une porte et ça crache, tu vois. Quel est cet endroit? Mais c'est trop régulier et parfois, juste en lançant le jeu, il se lance pas. Donc ça capte tellement le jeu que c'est pas agréable à jouer en fait. Expelliarmus, action. Mais sinon, comme je disais, en fait, si je reste dans une salle, si elle est chargée et tout, je peux rester pendant 6 heures dans la salle à me balader, ça va jamais crash, tu vois, c'est stable. Mais... Ah ouais. Ouais, après, quand il faut charger un nouveau truc ou quoi, bah... Peut-être attendre le patch, il y aura peut-être un patch demain. Ouais, non. De toute façon, j'ai dit vraiment, j'ai marre de capter demain. D'accord. C'est magnifique, par contre, le jeu est magnifique. Ouais, sauf que justement, quand t'as le bug trop marrant... Serait-ce possible ? Vous voyez le jeu Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 1 ou je sais plus quoi, là, qui est dégueulasse. Ouais. Avec les persos, c'est leurs têtes, elles sont déformées. La salle et tout. De la carte ouais. A enfin été découverte. Bah, hier, j'ai les persos qui avaient du mal à charger, du coup, ils avaient vraiment cette gueule. Ah, j'ai vu passer un TikTok là-dessus aussi. Si comme quoi, dans la salle de répartition, tout le monde avait une sale gueule, ouais. Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entrés à Poudlard ? Vous avez bien suivi, et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne ? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte ? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. Les statues et sculptures dans la maison sur la falaise sont à votre effigie. Vous êtes voyant ? Tout à fait. Vous saviez que je serais là ? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mis à part que votre présence ne me surprend pas. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. De quoi ? Votre commande Amazon, 16 Go de RAM Corsair Vengeance machin, a été expédiée. Let's go. Ça fait plaisir. Des talents plus en or, ouais, des talents. Comme ton micro de chez Action. Mec, ça m'a fait rire. En vrai, c'est un peu mignon, mais c'est naïf quoi. Ok, on a des. C'est quoi ça ? Ok, d'accord, donc je peux. La pierre peut pas pousser la porte. J'ai acheté un micro à Antoine, je lui ai pris 180€ d'occasion. Ah, mais tu sais, il y en avait à 15€ chez Action. Bon, enfin, pour 180 balles, t'as quand même tous les accessoires qui vont avec, plus le pied, quoi. C'est marrant qu'on le dire, je sais pas, ouais. J'ai acheté une voiture à 20 000 balles. Oui, mais tu sais, d'occasion, tu pouvais en avoir une à 400 balles. C'est ça, quoi. Mais c'est ça y est, Maxime. De feu. Quoi ? Maxime découvre les compétences. Ah oui, j'ai vu ça. Il y en a qui ont l'air mais c'est abusé. Ah bah, ce qui est surtout très drôle, c'est qu'avec Incendio, dès que t'améliores Incendio, tu fous le feu au château, quoi, si tu joues RP. Ça, on s'en fout. Peut-être t'avais la. Je pars zéro en magie noire, je vous dis. Ah, moi, je viens de les améliorer. Comme ça, je peux coller des grosses tartiflettes là. Au salopard dans la forêt interdite. Furtivité. Allez. Hein ? On va pas regarder. Salle sur demande. Furtivité, pourquoi faire ? Pour aller dans le vestiaire des filles ! Oh, c'est méga fort ! Pour chaque chou mordeur de Chine lancé, un deuxième chou mordeur de Chine est généré et relâché sans aucun coup. Lui, il joue avec des choux. Moi, j'aime pas cette époque-là. Jouer avec les choux ? Bah j'ai jamais vu personne jouer avec les choux, donc je sais pas ce que c'est. En fait, j'ai lancé tantôt, si tu veux, t'as des choux qui attaquent des cibles à proximité, mais elles les bouffent. C'est méga fort. Okay.
Moi, je passe mon temps à les dropper sans faire exprès, du coup, j'en ai plus. Cœur, enfin, je vais prendre. Moi, je vais aller dans cœur, hein, je pense. Dans cœur et ça. Hein. Incendio. Il y a un truc, ça donne un giga dash, ça a l'air trop stylé. Oui. Incendio. Tout de suite. Allez. Un giga quoi ? Il y a un truc qui donne un dash, quand je sais plus dans quel truc c'est, mais. Quand t'esquives, il faut que tu. Quand t'esquives, ça te donne en dash vers un ennemi. Max, tu sais que t'as encore 9 points de compétence. Oui. Tout à fait. Mais pourquoi faire quand t'as envie de t'amuser. Quand t'as envie de compliquer les choses. Enfin, note, depuis que j'ai amélioré les points de compétence, j'ai toujours pas fait un point de. J'ai toujours pas fait un combat, donc. Je fais des quêtes là. J'ai plus d'argent pour acheter les potions. Attends, y'a un truc. Parage Protégor, remplisse votre truc de magie, ça c'est méga bien. Ça fait quoi? Ah bah oui, le truc qui te permet d'avoir un nouveau truc. En fait, tu peux en avoir jusque deux. Oh, ça c'est pas mal aussi, les potions qui te guérissent plus. Oh! C'est la magie ancienne qui permet d'attraper et de lancer les armes à des ennemis désarmés. Elle le fait déjà. Ils sont malins, y'a un bouclier anti-vol autour de Préolar. Oh, c'était ça le dash. Ouais. Ça je m'en fous pour l'instant. Vraie magie noire, ça te permet de quoi à la fin? Bah de faire Avada Kedavra dans ta gueule. Ouais, je crois qu'il y a Avada Kedavra à la fin. Bah t'as surtout Avada Kedavra qui tous les ennemis maudits autour. Éliminer un ennemi avec Avada Kedavra. Putain, nique sa mère. Élimine tous les ennemis maudits. Ça c'est genre la compétence ultime quoi. Je touche pas à ça. Hein. Ouais, moi non plus, franchement. Ouais, chez Pouf Souffle, on est. Le côté obscur ouais. Franchement, j'ai un côté serpentard derrière moi. Là, je suis sûr, il y a un achievement à débloquer, genre faire tout le jeu sans avoir touché à Avada Kedavra. Et tu dois avoir un truc en mode anti-mage magie noire ou. Bon, j'ai deux roulettes de sort en plus. Après, tu. Je suppose qu'à la fin du jeu, t'es censé avoir des points de compétence maximisés tout à fond, donc. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Si c'est pas le cas, alors je touche vraiment pas à la magie noire, mais. Bah, ça serait bien en fait que non, que tu doives te spécialiser. C'est techniquement les mages, ça se spécialise, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je trouverais ça intéressant, honnêtement. En fait, il aurait limite fallu que si tu prends une branche, ça te bloque dans d'autres branches ou des trucs comme ça, tu vois. T'aurais une branche magie blanche, une branche magie noire, et si t'avances dans la magie blanche, ça te limite dans la magie noire ou des trucs du genre. Non, mec. Bah ça par contre, ça a l'air trop pratique. Donc, ça va être un des premiers trucs que je vais prendre. Bon, sur ce, j'arrête de me spoil plus, je retourne bosser et... Bon boulot, bah je vais pas tarder à arrêter aussi, moi je vais aller bosser aussi. Manger et puis bosser. C'est à tout ou je sais pas. Yep. Ok, tchuss. Salut. Par contre, on en parle que le mec est trop con pour prendre un livre avec lui alors qu'il suit des trucs du livre. On est d'accord. Mm. Putain, va falloir refaire tout le chemin. En fait, au début, ça sert à rien de prendre les roulettes vu que t'as pas assez de sorts. Une fois que tu auras plein de sorts, ça sera intéressant. Mes deux roulettes sont remplies hein, déjà. Oui, moi aussi, j'en ai mis trois. Mais. Est-ce que j'ai pris soin et sort? Ouais, c'est intéressant, le mec a déjà tous les sorts. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre? Non, c'est juste qu'en fait, il y en a une. Incendio! Qu'est-ce que vous mijotez? Il y a des pages partout, ça va. Il y a une truc de transfert, une cheminette à côté. Professeur, rendez-moi le livre, s'il vous plaît. Contre le jeu est magnifique. D'accord que ça, si je fais ça. Ouais. Et les points de talent, est-ce qu'on les reçoit à chaque level ou... Je suis revenu. Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. Revelio.
Comment ça, place d'équipement plein? Déjà? Équipement. Laissez-moi aller après au large, je vais les vendre. Combien niveau de thunes là? En plus ça me file un truc de merde. Revelio. Vous devez apprendre Repulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Action. Levioso. Incendio. Rentrez là pour l'instant. Ça, quand t'auras l'eau, Mora, tu pourras ouvrir tout ce petit truc là. Bon, je dois apprendre Repulso. Super. Quête. Allez, apprendre Repulso. Je m'entendais tellement mieux pour Repulso, je suis déçu. Ah, cours de vol. Cours de vol. 1329. Ah, du coup, là, maintenant, j'ai de quoi acheter la potion. Oh oui! Je vais pouvoir voir en dragon. Revelio. Pas en plus. Ça a dû te prendre. Ouais, j'entends Anding. On est d'accord, Anding, c'est qu'il y a un truc à côté. Hein. Possible. Et on descend. Putain, c'est un truc de Drake. Revelio. Par contre, les trucs de comment? Non. Lumos. Tu peux faire Lumos quand t'es invisible? Genre là, je suis invisible et j'ai Lumos. Revelio. Avec un 5, c'est bon. Alors, pour les potions, il me faut quoi Revelio. Maintenant okay, Maxima, j'ai assez. Tigre de Dissim. Il va falloir tout reparcourir avec la serrure de niveau 1 quoi. Putain, je me casse les couilles à prendre les recettes alors que je peux acheter les potions, quel con. Incendio. Il faut quoi du coup pour Action. Concentration et Maxima et plus. Concentration et Maxima. D'accord, je veux bien, j'ai compris que je devais la remonter, mais elle est où? Les deux sont. Action. La montée là-haut. Oh, attends, ça réduit les cooldowns, ça, cette potion là. Ah ouais, on dirait. Mais t'as un truc aussi, quand tu tapes, ça réduit tes cooldowns. Maxima et. Alors attends, Maxima. Incendio. Et virus. Hop. Et. Ça Maxima. Comment ça, tu rentres dans une grenouille et tu ressors? Je sais pas ce quoi.
Oh, botin. Oh, elle est belle celle-là. Ah oui, d'accord, ça nous transforme en pierre. Ok, MDR. Je viens de trouver encore un truc pour la... Comment ça s'appelle? Pour la manchette de baguette, mais qui est magnifique. Talent. Ah, j'ai un peu de talent. Bon, allez, un petit slash TP et... J'ai tout level 7. Après, je vais aller manger après. Level 5, mais il me faut des sorts. Il y a un sort, c'est quoi? Répulsor, hein, c'est ça? Defender. Répulsa libère une explosion supplémentaire qui inflige. Bah on va attendre le point et on va prendre Répulsa après. Mannequin de sorcière, j'ai une tête à Répulsa sorcière. Okay. Comment on rentre? Faut que je re-rentre dans la grenouille? D'accord, faut que je re-rentre dans la grenouille. Grenouille? Sans porte-loin ou un truc comme ça la grenouille on dirait. Collection, mise à jour, repose-pied. Ah, il y a encore là. Putain, ah. Vivement que j'ai plus ce truc d'équipement parce que bon. Oh non, non. Toi, tu me sers à rien. Fais rire le prof de potion. À clopiner là comme un con. Tu sais que c'est en aurore? Ouais, je sais bien. J'ai été dans son bureau. C'est bien. Toi aussi, quand t'arrives dans une pièce, tu fais révélo, mais partout. Ça arrive, ouais. Mode, je fais tout. Ça me saoulait. Ouais. Cours de vol. Ça, hein. Carte. Si j'envoie un voler sur son balai en mon absence, et il sera viré avant qu'il puisse avoir le temps de dire Quidditch. Voilà. Voilà, ref. Alors, Répulso. Oh putain, le bas des couilles. Super. La ref. Attends, il est où, Répulso? Attends. Sors. Ta gueule. Ah ouais, ah oui. Oh putain. Quand tu es la meilleure, ça doit être mieux. Waouh. Ça casse des culs. Du coup, c'est quoi que tu disais? Oui, je m'attendais à mieux. Faut améliorer ses sorts, monsieur. Ah non, mais le truc, c'est qu'en fait, là, on commence à avoir beaucoup de sorts, là. C'est compliqué de jauger. C'est pour ça que j'ai... Quand on reste, t'as droit, je crois, à 4 roulettes à la fin. Ouais, je sais bien, mais bon, c'est compliqué en combat de switch d'une roulette à l'autre. Tu déconnes, ça va être facile de ouf. Oh, il y a un petit coffre, là, j'ai pas vu. Il y a trop de trucs, putain. Ah non, c'est abusé. Putain, c'est quand qu'on débloque Alohomora, bordel? Ça casse les couilles, les portes verrouillées. J'ai vraiment fait un cours de ballet en pleine nuit, d'accord. On dort jamais dans le ballet? Comment ça se passe? Ah si, parce que là, tu vas arriver et tu vas devoir passer le temps. Ah oui, c'est vrai. Ah, il manque genre un truc, une page ou quelque chose comme ça pour passer niveau 15. Attrapez tous en balai. Ah, trouvé. Attrapez tous en balai. Complice, commencez. Tu peux attraper un Nimbus 2000? Monsieur Clapton, concentrez-vous. Bah, je Nimbus 2000, pardon, t'en auras pas. Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Habit d'école. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un et peu hop là, Répulso amélioré. Et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Y a pas une petite quête là pour un petit combat où je vais dans la forêt interdite pour taper un peu de Yoshi. Pour tester tout ça, puis ensuite je m'arrête. Bien, voyons
si bah, vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers apprendre votre balai, un mauvais sort avec Sébastien. Bon bah go. Assurez. Ensuite, enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Merci. Merci. Bien. C'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Debout. Peut-être, eh bah, pour perso, une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque ton côté. Ton perso, il a vraiment une sale gueule. Si vous avez les jambes du même côté du balai... Non mais sale gueule dans le sens, il a l'air d'avoir un mauvais fond alors que le mien, tu dirais qu'il revient des bisounours. Oui, mais moi, j'ai mis des griffes et tout, tu vois. Le mien, il vient d'école des bisounours. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Oula. Oh, le bug. Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. C'est génial. Très bon équilibre. Ah putain, je pensais que c'était toi qui parlais alors que c'était mon perso. C'est quoi, c'est pas ouf en fait. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué, d'accord? T'en penses quoi toi? De quoi? Les balais, ou alors... Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi. Ouais, il faut un peu de temps pour t'y habituer. Ah, on peut accélérer quand même. Quelle vue! Ah putain, j'étais sûr qu'il y avait un truc derrière ça, j'en étais sûr. Belle journée pour voler. Ça n'a pas été trop dur. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Ça, notre hôte aquatique. C'est qui, lui? Là, je sens qu'un jour, on va le voir un peu trop près. C'est plutôt amusant. On peut aller dans la forêt interdite avec le balai. Je peux te parler? Du quoi? Bah, les attentes forêt interdite avec le balai? Je présume, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il va vouloir? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un griffon d'or comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Comment je pourrais refuser? On peut se battre. Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Je pense pas. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? La petite tour de l'école, ouais. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. Mais je me sens un peu à l'étroit. Pouf Souffle, elle est pas mal. Elle est trop stylée. Bah, ça a terrier, quoi. J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Ouais, on va te faire péter. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Oui, tu peux avoir vraiment des boosts de vitesse. Alors, tu, avec RT, tu voles déjà plus vite, et avec LT, t'as un gros boost.
Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Alors, des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Incendio, ça dégage. Quoi? Comment t'enlèves Incendio? Ah bah parce que j'ai un sort bien meilleur. Ah ouais? C'est la fin de la première. Bah, attends d'avoir Kofringo et on en reparle. Oui, mais quand t'es araignée, tu feras comment en fait? Mec, c'est un sort d'explosion. C'est mille fois mieux, je suis désolé. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici. Tout faire péter. Oh, d'accord, tu peux garder une terre. Alors, où étiez-vous tous les deux? En balade? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Désolé. Quant à vous... Vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Oui, madame. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Elle t'engueule bien te fait. En fait, bien joué. C'était pas mal. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Oui. Rien. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Beauballet à Préolard. Oh, il adore 300. Tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Alors, voyage rapide. Je m'en fous. Hop, voyage rapide. Carte Préolard. Et on va aller. Et où pour balai? Baletto, baletto. Toi. Piquet deck, non. Les trois balais. J'utilise les papillons. Farcé attrape. Pouah. La tête de sanglier. Ouah, il tabasse, hein. Ouah, trop bien. Là, et on va faire ça. Ah, tu veux savoir si je peux l'utiliser en duel contre des élèves, machin? Oui, sûrement. Étant donné que tu peux déjà utiliser Isandio, tu peux foutre le feu aux élèves, je vois pas en quoi tu pourrais pas les exploser. Ouais, bah, parce que celui-là, ça pique. On parle de blessures immortelles, mortelles, mortelles, quoi, quand même. Ah, c'est une explosion. Genre, je te fais péter la gueule. Hein. Genre, je te mets en pain de C4 sur la gueule, quoi, oui. Voilà, c'est littéralement ça. Oh là 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 là. Ouais, je t'ai emballé. Puis on va voler. Ah, merde, je me suis fait gauler. Je sais. Ouais, comme ça, je vais pouvoir aller vendre tous les trucs qui me servent à rien aussi. Mais si t'es invisible et que tu utilises Lumos, on est d'accord que ça sert à rien d'être invisible. T'as littéralement une ampoule qui flotte à côté de toi. Est-ce qu'il existe plus? Petite aventure à la bibliothèque? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Oh, je sens que ça va être mal. Comment ça, les sorts interdits? Ah, une nouvelle tête. Fantastique! Bonjour. Monsieur Wix, c'est ça? Albi Wix, à votre service. Bienvenue à Beauballet. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées.
Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? Oui. J'ai quelques rares 13 diff en stock, des braises filantes, des flèches d'argent... Coffringo, vas-y, on va tout péter. Paf ! Oh putain, je suis un peu fort là. Vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels vite, réparo. En termes de qualité et de performance. Cool. Vous avez dû fermer Beaubalais à cause des perturbations sur les routes commerciales ? C'était terrible. Bon. Les routes commerciales étaient inutilisables. Qu'est-ce que j'ai au niveau des quêtes ? Elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où. Ah, j'ai encore une fois du professeur Sharp, putain. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. J'ai pas assez de thunes. Bon, on va aller casser la gueule à des sorciers. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais ? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. C'est l'après-midi. Prenez les rubans vol, ouais. Par exemple. Connus enfin, pour leurs manches en frêne de grande qualité. Les 13 diffs sont rares, checker, car beaucoup ont peur de les utiliser. Fait, sûrement à cause de la réputation de la baguette diff. Ensuite, vous avez si le braise filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Interdite. Ah, vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. J'ai un devoir avec madame Bibi, Bibi aussi. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? T'as pris quoi toi comme balai ? J'ai le premier avec le feu à l'arrière. Vas-y, filante. Montre. Fais aperçu du balai, Y. Cet article est d'excellente qualité. Ouais. Ouais, celui-là, ouais. Ouais, j'ai un petit décalage sur le live. Ah, on peut voler dans la forêt interdite. Cet article est d'excellente bon, qualité. Bon, allons tester un peu nos sortilèges et puis je m'arrête. Confortable et rapide, idéal pour ceux qui ont un tempérament de feu, comme les Gryffondors. Madame enchantée atteste votre fierté d'appartenir à la maison de Boutard. Cet article est d'excellente qualité. Oh, bon, je pense que là, j'ai... Ah oui, c'est ce pété. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Merci de votre visite, j'espère vous... Même si le premier balai est venu, je voulais pas tomber dans la reine des araignées. L'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, j'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, oui. Qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Oui. Notre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Oui. Ah, elle est futée. Oui. C'est un cadre idéal pour récolter d'accord. des données de vol. Si jamais vous y participez et d'accord. faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. D'accord. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? Oui. C'est intriguant. Je vais essayer. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, what cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. Quidditch Reyes. N'oubliez pas de me prévenir. Couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme. À l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Oh, oui, c'est... On ne pense pas qu'à étudier, Madame Weasley. Excusez-moi. C'est où le truc de vêtements ? La forêt interdite de nuit, j'aime pas, de jour, je préfère. Pourquoi ? T'as pas les araignées qui s'y baladent ? Non, surtout que je préfère voir ce qui s'y passe. Je viens de m'en faire 5 ou 6, là, c'est bon.
commandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Bonjour. Ah. Merci. Oh, il y a des trucs classe. Dommage que ça prend 1000 ans à charger. Les lags. Espérons que ça. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Ouais. Bof. Alors, je vends. Au risque de me répéter, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ouais, le système de combat est vraiment bien foutu sur ce jeu quand même. Objet pour tête non identifié exceptionnel. Merci. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. Non. Comment ça, objet identifié exceptionnel pour la tête? Chapeau. Mais pourquoi je ne le vois pas? Ah, voilà. Rendez-vous dans la salle sur demande pour découvrir la qualité de cet objet. Ok. De balais, c'est quoi? Ah, faut acheter tous les balais. Ok. Putain, je suis tombé dans une crypte. J'espère que je peux ressortir. Pipin. La salle sur demande, intéressant. Gofringo. Récompense. Ah oui, mais en fait, t'es pas loin du tout que moi. Ah ouais, non, bah... Littéralement, j'ai répulsé et une des quêtes qu'on me propose après, c'est Gofringo. Ok, oh, des zombies! Salle sur... Evanesco, sortilège d'invocation, créer un sort d'invocation. Ok. On va voir ça plus tard. On va venir faire répulsé. Bon, en vrai, on va aller, on peut voler, et puis on ira se... Je couperai là juste après. Ok. Je pense qu'on peut pas. Pas cool les zombies, pas cool. Pourquoi? Pourquoi c'est pas cool les zombies? Parce qu'il te faut obligatoirement un sort de feu. Bah, tu vois qu'Incendio ça aide. Bah, explose. Le truc que j'ai ça m'a servi aussi. Ah oui, il faut un sort de feu. C'est un sort de feu. Ouais, il faut un sort de feu. Rouge quoi. De destruction. Par contre, comment je sors de là? Par la sortie. Je suis intelligent, t'es le seul. On te. Ah, je suis tombé. C'est bizarre. Je vais sur LB. Je crois que je suis bloqué, je peux pas sortir de là où je suis. Attends, quoi? Un peu. Je peux faire un truc là. D'accord, je peux transplaner. Sur une courte distance. C'est donc ça. Transplaner sur une courte distance. Oui, la meilleure. En fait, l'amélioration de comment. Oh, c'est devenu. J'ai pas envie d'aller voir des loups. Tu sais l'amélioration que Étienne disait du B là, de ton esquive. Ouais. Ça te fait un genre de transplanage sur une courte distance. Ah ok. Ah, c'est un truc de Merlin, ça. Qu'est-ce que je fous, là, moi? Ah, je suis de retour dans la crypto d'araignée, mais j'aurais pas été dans le film. Incendio! Expelliarmus! Action! Ah, il y a des braconniers. Legioso!
La petite dame de la poudre de cheminette, elle me fume. Je vais faire ce petit commentaire là. D'accord, il faut faire quoi en plus ici? Action! Incendio! Y'a pas de. Y'a personne qui peut aider? Oh, c'est quoi ça? Action! Incendio! Levioso! Reparo! Bon. Je ne vais pas encore avoir l'info du coup. Revelio. Protego. Vas-y, j'ai trouvé Incendio. Un lieu magique, mais je sais pas du tout ce que ça fait. Bizarre. Incendio. Ah, ça tourne. Plateforme totale. Ok. Bah c'est bien, je crois que je shot un loup. Je devrais peut-être faire un tour à Fellcroft pour voir ce que je pourrais y braconner. Si quelqu'un s'en prend à moi, je l'enverrai 6 pieds sous terre. Si tu veux mon avis... Action ! Incendio ! C'est donc tout. C'est l'un des nôtres. Action ! Incendio ! Oh. Grotte de la collection. Oula, Nao a lancé plusieurs jeux d'un coup. Oh la vache. Expelliarmus. Comme c'est gentil. Action. Incendio. Tu vas le regretter. Action. Expelliarmus. Personne n'en reviendra que j'ai vaincu un serpent cendre sans aucune aide. C'est pas la première fois qu'on va des serpents ensemble sans aucune aide. Ah, je suis à côté de Fréolaire. Oh, oh les trucs. Oh, il est ici, toi. Les nifleurs, on peut les caresser? Je peux faire un truc? D'où t'as trouvé un nifleur? Oh, des nifleurs. Tu les as trouvés où? Ah ah. En bas, là, donc. Montre-moi ta carte. Jamais. Je m'enfuis. Ah, y'a encore un truc ici. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Je suis pas loin de là où t'es. Ok. Action! Ah, ça c'est le camp des sorciers, donc ça je m'en fous. Oh, y'avait une grotte. Les cochons! Action! Oh, c'est quoi ça là derrière? Encore des brigands. Comment tu fais? D'accord. Donc c'est action. Mais tu dois faire quoi? Super, je peux faire action. Levioso. Incendio. D'accord. 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 Mais action. Ok. Revelio. Bon, il est midi, je vais m'arrêter là. Peut-être c'est, ce jeu est trop addictif. Attends, est-ce qu'on... Oh, j'étais déjà venu ici.
que... Ouais. Action. Incendio. Levioso. Action. Mec, je suis tenté de t'essayer un truc, mais je sais pas si ça va me tuer ou pas. Il y a une grotte avec un tourbillon. Ah, oh, je saute. Ah ouais, je non, voir. Tu sautes dedans, tu peux y aller. Ah ouais, plonger. Ah, t'as déjà été. Ouais. Action. Oh. Ah ouais. Sauf que c'est con, c'est déjà obsolète. Le jeu est incroyable. Hein. Si en plus tu peux faire du RP là-dessus, ça va être une dinguerie. Si on peut faire du multi, ouais. Faut voir si on peut faire du multi. Ah, j'ai envie d'aller voir le hangar à bateau. Il y a des ah, la jauge, je sais ce que c'est la jauge. Bah c'est, ouais, c'est la jauge de vitesse, mais moi ça se consomme pas tout le temps. Non, c'est quand t'appuies sur LT, regarde. Bah, je sais bien. LT, c'est ton boost de vitesse en fait. Pas oh, RT, quoi, t'as ton RT pour aller plus vite de base. Ah, ok. Rébellion. Ah, okay. Incendio. Oh oh oh. Rébellion. Ça va bien avoir Rébellion. Ce guide du sorcier est bien pratique. Des heures pour tirer la moustache à tante Mildred. Ah, quel âge as-tu, par Merlin? Il serait temps de grandir, mon enfant. Rébellion. Les braconniers, ils ont rien demandé, tu les agresses dans le dos là. Est-ce qu'on vaut mieux qu'eux du coup? C'est ça, c'est un peu la question. Parce que bon, là, on leur marave la gueule. En même temps, c'est des braconniers. Nickel. Ah, par contre, des œufs de serpendre, ça m'intéresse. Est-ce que tu serais pas un braconnier aussi du coup? Ah, je ne sais pas, écoute, faut t'en prendre à mon prof de potion, hein. On peut voler à l'intérieur de Poudlard. Non. Ça, il l'avait dit dans le jeu. Descendre pour rentrer. Oh, ça aurait été marrant. C'est dans lequel? C'est dans le 5, non? Où ils volent à l'intérieur. Les frères Weasley et qui font tout exploser avec... Ouais. L'autre... What? Rébellio. Défi débloqué, plateforme d'atterrissage. Ah, il y a un coup, ah, ok. Ça. Stylé. Action. T'es où? Je t'ai vu la feuille. Si quelqu'un pouvait me dire quand aura lieu le cours sur les engrais, je lui en serais reconnaissant. J'ai bien le manquer en prétextant une poussée de dragon. Il y a tellement de trucs à faire, mon jeu, s'abuser. Ouais. Je sais pas, je suis... Bon, on va s'arrêter là. Bon, tchuss. Potentiellement tout à l'heure. Yo. Les gens sur le live, c'est pareil. Rébellio. Oh, c'est joli ici. T'as dit que j'entends. Voilà. Et bientôt ce sera Zelda aussi. Enfin, bientôt, ça en met. Moi, mais... je le ferai pas, j'ai pas fait le 1. Comment j'ai ça, t'as pas fait le 1? Le 2. Ah, j'ai trouvé les nifleurs. Bon, allez. Coucou, ta les gens, tchuss, amusez-vous bien. Et peut-être à tout à l'heure. Bam, je